très impressionné parce que c'est sûr qu'en développement économique, on est habitué, quand on rencontre des entrepreneurs de l'extérieur, à vendre notre ville, à vendre ses avantages en termes de qualité de vie. Mais là, de l'entendre de la bouche de nouveaux arrivants, autant des gens qui viennent d'ailleurs sur la planète que des gens qui viennent d'ailleurs du Québec, qui ont choisi de s'implanter à Shawinigan, d'établir leur vie à Shawinigan avec leur famille, de les entendre parler de façon aussi positive de Shawinigan et de les entendre dire « j'ai choisi de m'établir à Shawinigan ». Comme natif de Shawinigan, moi, ça vient chercher ma fierté. Et c'est ce que j'aime dans cette campagne-là, Panda, de vraiment démontrer le côté accueillant qu'on a entendu que ces nouveaux arrivants ont dit, bien, la ville de Shawinigan, les citoyens sont accueillants, ils sont là pour nous aider, ils sont contents de nous voir, ils nous demandent d'où on vient. Je trouve que cette campagne-là vient projeter cette image-là, vient aussi la concrétiser et vient comme contaminer aussi toute la communauté à l'importance de ces communautés-là ou de ces gens-là qui arrivent et qui viennent construire la ville avec nous et qui vont faire que dans 10 ans, on va regarder la ville de Shawinigan et elle ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. Elle va être rendue ailleurs, elle va avoir progressé, mais elle va demeurer une ville qui propose un milieu de vie, une qualité de vie qui est incomparable. Et c'est ce que je trouve que ça vient tout rejoindre, cette campagne-là.